Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve comme promis pour une petite vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai reçu par le facteur, donc j'étais absente, il l'a mis dans la boîte aux lettres. Vous voyez, c'est un grand paquet. C'est un partenariat que j'ai accepté avec la boutique One Day Saving. Alors, c'est pas la première fois, hein. Je vous ai déjà présenté cette boutique, mais j'avais envie d'essayer d'autres choses. Et on va découvrir ça ensemble. Donc, One Day Saving, c'est quoi? C'est des diamants de painting. Ah, je suis trop contente. Allez, je sors déjà ces choses-là. Je les mets sur le côté. Hop. Je vais attraper la grande chose. Donc, tout est très bien emballé. Rien ne s'est abîmé. Voilà, ça a un petit peu gondolé, mais c'est pas abîmé, hein, c'est pas plié, vous voyez, il n'y a pas de traces. C'est le facteur en le mettant dans la boîte. J'aurais été à la maison, il me l'aurait apporté directement. Mais voilà, ce n'était pas le cas. Alors, ça se présente comme ça, il y a plusieurs couleurs. C'est un grand porte-document, on va dire. Il y avait plusieurs couleurs, bien évidemment, vous connaissez mes goûts, j'ai choisi le rose. Là, c'est protégé par un plastique. Il y en a un scotch ici. Alors, je vais venir couper le scotch. Je vais me mettre de façon à voir ce que je fais et pas faire de bêtises. Hein. Voilà. Donc, c'est un format A3. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Format A3. Clear book, il l'appelle. Donc, livre transparent. La pochette. C'est rentré par le milieu. Je vais pouvoir ouvrir la pochette et le sortir de la pochette. Alors, je suis désolée pour le bruit. Hop. Et voilà. Ça, je referme, je replie et je replie et je replie un coup, ça prendra moins de place et je pose là. Donc, nous avons 30 pochettes à 3. Donc c'est pêche rose, exactement la couleur. Et ça va servir à quoi? Eh bien tout simplement à venir ranger les diamants de painting finis. Je vais mettre en pause, je vais aller voir si j'en ai un à portée de main fini, je reviens tout de suite. Me revoilà, bon ils sont rangés, je vous referai une vidéo pour vous montrer justement comment ça se passe une fois que c'est rangé. Vous voyez, c'est toutes des pochettes transparentes. La couverture est très costaud. Je leur donnerai son pli, ça c'est pas le souci. La qualité est vraiment belle. Et là, on va pouvoir mettre une étiquette justement pour préciser que ce sont des diamants de painting dedans. En attendant de les mettre en cadre. Donc vraiment, je suis super contente. Il est très joli. Il est de meilleure qualité que ce que j'aurais cru. Donc déjà, j'ai pris ça. Ensuite, et puis ça prend moins de place. Ça évite qu'ils prennent la poussière, qu'ils prennent des faux plis. Voilà. Ensuite, j'ai pris des diamants de painting. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. Tant qu'à faire. Donc. On a le kit. On a les diamants. Vous voyez, il y a plein de couleurs. Il y a du parme, du violet, enfin de l'aubergine, du bordeaux, du rouille. On a du rouge, du beige. On a plein de couleurs. Et ça me chatouille la cuisse. Non, je ne suis pas toute nue. Hein. Je suis juste en short. Et regardez cette vieille machine à coudre comme elle est trop belle. Je l'ai trouvée trop jolie. Donc celui-là il mesure 30 sur 30. La qualité, eh ben, comme je vous le dis toujours, hein, elle est top puisque c'est pas le premier partenariat que je fais avec eux. La colle est vraiment costaud, on n'est pas embêté. Et j'adore cette boutique. Donc je les remercie de leur confiance, de m'avoir reproposé ce très joli partenariat. Je vous mettrai en barre de description tous les liens. Lien de la boutique, lien des articles que j'ai choisis et le code promo bien évidemment. Je ne vous le donne pas à l'oral
pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a majuscule, minuscule et qu'il faut bien respecter l'ordre où c'est mis. Ensuite, j'ai pris un deuxième diamant painting. Yep. Alors, je vais le déplier comme ça. On a toujours le petit kit et là, on a toutes les perles. Elles sont magnifiques. J'adore les couleurs, les numéros sur les sachets. Hop, il y a les petites étiquettes. Vous allez voir, vous allez aimer. Regardez ce magnifique chat avec son chapeau de cuistot. Black Cat Coffee. Là, c'est écrit quoi? Hop. Est 1962 avec sa tasse où il y a la chantilly bien gourmande. Il est trop beau. Lui mesure 30 sur 40 cm. Ah, ils ont vraiment de tout, hein. Ils ont, je pourrais même pas vous les citer. On ira un petit coup sur le site si vous voulez. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment se présente le site. Et le troisième que j'ai pris est ici. Alors, il s'ouvre là. Alors, lui, il a été bien tassé dans le sachet. Je vais arriver à le sortir. Je n'ai pas dit que j'arriverais à le rentrer. Hop, je l'ai eu. Donc pareil, on va faire comme ça. Je vous montre déjà le petit kit. Là, nous avons toutes les perles. Donc ce sont des perles carrées. Vous voyez, il y en a plein là. Là, il y a de quoi faire. Et le modèle, c'est celui-ci. Alors, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi je l'ai choisi. On a le phare, l'encre de marine, le coquillage. Je remonte que vous puissiez voir un petit peu. Non, c'est pas un coquillage. J'ai cru que c'était un coquillage à l'envers. Les oiseaux, le bateau, la mer. Donc voilà. Je vous montre dans ce sens-là. Vous le verrez entier. Vous voyez comme il est beau. Il est vraiment magnifique. Et puis la qualité de la toile, franchement, c'est pas de la gnognotte. Là, on a les numéros. Et je sais même pas s'il y en a pas un qui se voit dans le noir. Je me demande si celui-là, il réagit pas dans le noir. Je vous dirai ça une fois que je l'aurai fini. Bon, je vais pas le finir demain. Hein. Mais c'est vrai que les soirées d'hiver, c'est agréable. Là, pour l'instant, pour moi, il fait trop chaud pour faire du diamant painting. Mais je m'y remettrai bientôt, j'espère. Alors, je vais essayer de le glisser dans sa pochette. Yep. Là, je vous ferai une petite vidéo dans le week-end pour vous montrer. Je les rangerai peut-être pas tout, j'aurai peut-être pas le temps, mais j'en prendrai un ou deux qu'on rangera ensemble dedans. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Ah oui, c'est ça que je voulais qu'on fasse ensemble. Donc, One Day Saving. One Day Saving. Ah, j'ai oublié une lettre. Hop, il est là. Donc, le site, on arrive, c'est comme ça. Yep, je vous rapproche un petit peu. Là, nous avons la barre de menu. Donc, vous venez choisir nouvelles arrivées. Yep, diamant peinture. Ah, et puis ça a bougé. On a les moins de 4 euros. Nous avons les kits préférés. Point de croix, ils font aussi. Les artisanat et outils. Donc, artisanat et outils, on va aller voir ce qu'ils ont. Yep. Voilà, et ben c'est là.
artisanat et outils, vous voyez, c'est là que j'ai trouvé ceci. C'est juste là. Il y a les stylets, donc décorés, enfin plus jolis, on va dire. Hop. Il y a un cadre magnétique. Hop, voyez, à droite. Le cadre, et c'est un cadre magnétique de peinture diamant pour la décoration murale. Donc, voilà. Après, on va regarder deux, trois petites choses dessus. Et après, je vous laisserai aller visiter. Il y a les meilleures ventes, d'épées de grande taille, peinture par numéro, festival. Il y a du nail art aussi. Oh, ils ont des moulets Pouxy, j'avais jamais fait attention. Mais vous voyez, je découvre des choses. Yep. Regardez, il y a même des moulets Pouxy. Donc, ce sont les moules pour la résine. Yep. Voilà. Et on va aller dans les nouvelles arrivées. Et donc, il y a même du Star Wars, du Hello Kitty pour les enfants. Là, c'est du quoi ça? Attendez, il faut que je regarde un peu en même temps. Ah oui, c'est les petites poupettes un peu moches, vous savez, un peu horreur. Elles sont rigolotes. Là, ce sont des poissons rouges. Des carpe-coille exactement. Regardez, ils sont magnifiques. Ça, c'est quoi? Kit coupe-ongles électrique pour bébé. Polisseur d'ongles. Et on va aller vraiment dans les diamond painting. Donc, diamant, peinture en diamant. Et alors là, il y a de quoi faire. Regardez comme ils sont magnifiques. Je me rapproche un petit peu plus. L'effet vitraux. Hop là, les petits chats. Les petites fées. Ou les princesses, je ne sais pas. D'où je suis, j'ai du mal à voir. Et vous voyez, il y a vraiment tous les prix. Hein. La petite chouette avec les citrouilles, les petits animaux. Regardez. Eh bien, il vient de là, le mien. Il y en a plusieurs. J'ai pris celui-là, celui du milieu. Mais celui-là, ils sont tous très jolis, en fait. Hop là. Et j'ai une pub qui y arrive. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et hop. Donc, je ne vais pas vous montrer tout le site, mais je vous laisserai y aller. Regardez, il est trop mignon. Allez, je ne vous embête pas plus. Je vous laisse aller fouiller sur le site si ça vous intéresse. Encore merci à One Day Saving. Je vous mets tout en barre de description et on se retrouve très vite pour une deuxième vidéo puisque je vous montrerai bien évidemment ceci et j'aurai une petite surprise pour vous en même temps. Allez. Plein de gros bisous, je vous aime. Scrapez bien. À demain. Bisous, bisous.